Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu les playlists justement qui vont se retrouver sur ma chaîne. Donc la première, une série sur laquelle j'ai énormément travaillé, 99% contrôle, donc qui va se trouver juste ici. Donc n'hésitez pas à cliquer pour checker cette super playlist avec vraiment des sauts, comment je pourrais dire ça, de fou. Ensuite, vous avez donc le condensé de tous ces épisodes-là dans la playlist 99% contrôle, Go French or Go Home. N'hésitez pas à aller checker, attention, ça va faire mal. Playlist numéro 3, donc je vous invite à aller checker la playlist de Day by Day. Donc la Day by Day, qu'est-ce que c'est? C'est une série, une playlist de 30 vidéos, donc qui dure sur un mois au total, tous les jours filmés d'un cadre spécifique et justement sur un lieu où je vais travailler mon flow et mes connexions. Ça m'a énormément aidé, j'espère que cette playlist va vous plaire, elle est juste là. Mais attention, c'est pas fini, je continue le concept avec la saison 2 des Day by Day que vous allez pouvoir retrouver juste là. Normalement, ça ne durera pas un mois comme la première saison parce que c'est vraiment énormément de boulot, mais vous pouvez me retrouver pendant au moins une semaine de Day by Day dans cette saison 2 là. J'espère que ça va vous plaire et puis on continue cette petite aventure. Je vous invite aussi à aller checker cette playlist que vous connaissez déjà pour certains, les Z-Store. Qu'est-ce que le Z-Store? Le Z-Store, c'est en fait une présentation d'un petit peu tout ce qui peut être utile à un traceur et un freerunner, en l'occurrence moi, puisque c'est du matériel que j'ai acheté, que j'ai utilisé ou que je vais utiliser et dans lesquels je vais vous faire des reviews justement dans ce Z-Store, cette fameuse playlist Z-Store. En gros, ça va être des petites présentations comme des objets comme ça qui ne coûtent pas très cher, que vous trouvez sur des sites comme voilà, des petites sites asiatiques. Ça, c'est très pratique dans le sens où quand vous posez votre téléphone dessus, pour moi, pour les lives, c'est extrêmement pratique. Vous aurez bien sûr évidemment besoin de trépied, donc des choses vraiment compactes à utiliser et c'est vraiment extrêmement pratique de façon à pouvoir tout poser. On va aussi checker des chaussures, donc que ce soit des Holo ou d'autres marques, que ce soit des nouvelles marques de traceurs ou de freerunners qui viennent de sortir. Ce sera un grand plaisir pour moi de vous présenter un petit peu tous ces produits. Il y aura une vidéo par mois, elle vous attend ici. N'hésitez pas à aller checker cette playlist Z-Store. Il y a bien sûr aussi les Zephyr Adventure Vlog. Qu'est-ce que le Zephyr Adventure Vlog? C'est tout simplement mes aventures. Quand je vais voyager à l'autre bout du monde, que je suis invité sur des événements, j'ai envie de partager ça avec vous et ce sera avec grand plaisir si vous cliquez sur cette playlist que je vous ferai partager un petit peu justement toutes ces aventures. Ces aventures qui seront en anglais pour les pays où je vais devoir parler en anglais et si ça se déroule en France ou dans un pays francophone, le Zephyr Adventure Vlog sera bien sûr en français. La playlist évidemment tutoriel que vous pouvez retrouver ici avec des tutos évidemment parcours et freerun pour vous apprendre à évoluer vis-à-vis de mon expérience et de mon point de vue. Je vais essayer de vous aider un maximum en tant qu'amateur pour devenir professionnel ou tout simplement en tant que débutant pour devenir un petit peu plus fort que la personne que vous étiez hier, un petit peu comme moi j'ai fait. Ce sera bien sûr une playlist qui contiendra aussi des petits trucs utiles du genre comment avoir la GoPro dans la bouche pour filmer des POV, comment faire de la colorimétrie ou tout simplement gérer un petit peu plus le montage vidéo et ce sera un grand plaisir que je partagerai avec vous dans cette playlist-là. Donc n'hésitez pas à la checker. Boum! Il y a aussi Cult of Concrete. Qu'est-ce que Cult of Concrete? C'est une playlist qui va rassembler tout simplement toutes mes explorations urbaines dans lesquelles vous allez pouvoir voir évoluer, trouver, découvrir. Je suis un aventurier, j'adore explorer. Donc ce ne sera pas de l'urbex, ce sera tout simplement de l'exploration urbaine dans un milieu donc pas du tout abandonné où il y a des gens, il va y avoir des rencontres et avec qui bien sûr je vais partager avec énormément de membres de ma propre team, la French Freerun Family. Salut à tous! Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Peace!